Coupette, la société de ménage vient d'arriver, enfin de pour les punaises. Là, du coup, je vais y aller vite fait. Après, je reviens prendre le goûter avec mes petites vies. Ils sont arrivés. Alors, le verdict, les filles, je tremble. Je tremble. Oui, ma chérie, alors le verdict, ça va et toi? Je suis encore trop désolée. Hein. Pas de soucis. Je te jure. Salam. C'est du coup le bosseur qui va. Je peux filmer ou pas? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, du coup, c'est bien des punaises de lit? Oui, ouais. On en a une magnifique là. Non. Et tu la touches? C'est... Bah, ça va, elle est morte. Oh, oh là là. C'est quelque chose, hein. Donc, du coup, monsieur, c'est bien des punaises de lit. Ouais, c'est des punaises de lit. Il y a du sang ici, là, regarde, il y a même son sein, là. Et il y en a beaucoup ou pas? Vous n'avez pas trouvé de nid? Non, il n'y a pas beaucoup pour l'instant, mais il y en a. Il y en a, je vais dans les escaliers. Quoi? Ouais, je vais dans. Ouais, les qui descendaient des bébés, en fait, c'est des petits œufs, quoi. C'est donc, des bébés qui migrent. Non, c'est pas vrai, ma chérie. Après, on va tout faire. Ouais, je lui dis, passe des sacs comme ça, au moins là, je te mets tout. Faut bien laver à 60 degrés. Et même le lit, franchement, honnêtement, le lit. Tu vois, c'est leur carcasse. C'est des mortes. Ouais, parce qu'elles, elles ont besoin. Je l'ai même pas vu. Je sais pas comment je l'explique. Par exemple, celle-là. Le plan, vous allez faire quoi, ma chérie? Là, concrètement, déjà, il fait un audit. Il regarde est-ce qu'il y a des nids, est-ce qu'il y a d'autres types d'insectes pour qu'il voit quel type de traitement il pourra faire, quoi. Et là, vous partez sur quoi environ, tu penses? Comme traitement? Comme temps? Comme traitement. On va faire des produits phobés. Après, on s'est obligé, on fait un aérosol dans la chambre. Un quoi? Aérosol. Un fumigène? Non, pas fumigène. Fumigène, il fait trop de la fumée et tout ça. Ok. Et on fait ça, par exemple. On fait ça. Ok. Donc là, par exemple, si je commence à faire... Maison, va dans le jardin, allez, va. Je peux voir, les filles, regardez sur le drap, c'est Anna, j'avais même pas vu. Leur excrément, leur sang et tout. Oh, regardez comment j'ai pu rater ça. Il y en a partout là. Oui, il y en a partout. Oh, comment j'ai pu rater ça, les filles? Et après, ils se cachent là, par exemple. Oh, j'aime trop se cacher dans les coups de chaud, c'est abusé. C'est la question qu'on se pose. Ça dépend si tu rentres dans un motel et tu sais pas. Ok, donc ça c'est pas les personnes sales. C'est pas possible. Non, c'est pas voilà. Les personnes sales. Non. Voilà. Parce qu'il y a des filles, t'as vu, elles ont dit ça. Ah bon, non, mais c'est horrible de dire non, ça. Donc, soit tu rentres dans un hôtel et tu les ramènes. Ou quelqu'un, il a venu chez lui, il y en a, il ramène avec ses vêtements et il va installer ici directement. Okay. Et il vient pas comme ça. Elles viennent pas de dehors, elles viennent pas du jardin et tout. Non, c'est pas ça. Non, en fait, elles peuvent. Il y en a là aussi. Regardez, elle bouge. Non, ma fille, elle s'est fait piquer par ça, c'est horrible. Elle est vivante celle-là. Attends, regarde, montre-la. Non. Elle est vivante, elle est en train de bouger. Hein. Oh, les filles. Là, il y a le produit uniquement pour les faire sortir, en fait. Qu'elles sortent? Ouais. Il y en a. Là, pour traiter, là, c'est juste pour qu'elles sortent de leur cachette. Ok. Sortez de votre cachette. Allez, sortez de votre cachette, les sorcières. Là, c'est comme ça. On fait la première. Mm-hmm.